voilà, voir Lucci contre. Madame Chawain, Dr. Nice? J'allais dire Dr. Nice, mais non, ouais. Hello, bonjour, mon nom est Dr. Nice, je me laisse. J'ai un stream sur Twitch, je speedrun. Je speedrun Super Mario Odyssey. Odyssey? Super Mario Odyssey. 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 Je joue aussi à Super Mario 64. Et en fait, tu joues à tous les Mario en 3D. Sauf 3D World, ce qui est un peu sarcastique quand tu y penses. En fait, j'espère que je joue à 3D World. Et le meilleur Mario speedrun, là, c'est New Super Mario. What the fuck is 3D. This? Yeah. C'est un... Je pense que c'est un bottom check. Ça s'en a pas de mourir. Ils font un no Lima. Ils font un no Pikmin run. Fait que c'est quoi? C'est Nair for tilt. Nair for tilt. Dash attack. Up tilt? Jab. Up tilt? Down tilt. Yeah. Puis up tilt, ouais, t'as raison. Par exemple, je t'avoue quelque chose, son hobby va être broken en plus. Pas de Pikmin, son hobby est encore meilleur. Honnêtement, je comprends pas pourquoi il nous montre du. Mais je pense sérieusement que c'est ça, bottom check, c'est un vrai match. C'est un vrai match. Hein. Ok, ben, je vais essayer de commenter ça. Fait que la bonne nouvelle pour moi, c'est que j'ai pas besoin de connaître tant de moves que ça. Fait que forward tilt, on shield, down tilt, on utilise de nair. On devrait acheter internet à côté. Pas à l'usure stampede, on a un limard, pas de Pikmin match-up. Je sais pas, moi. Ça me rend dépressé. Ben, ça me dépresse pas, moi. Ça fait juste genre me faire poser des questions sur les choix de Nelly, là. Mais moi, tu veux savoir pourquoi? Je suis sûr que Saint-Gelo a proposé ça. Parce qu'il est pas confiant de battre Lucci. T'essaies de stir la pote, man. Je te jure, man. Brother G, il juste cite, là, pendant les autres qui ont du fun, il est comme, I'm going to stir some shit. Non, je te jure. Non, je comprends ce que tu veux dire, là. T'es en train de prédire le prochain coup qu'on s'affronte, j'aurais genre faire un exprès. Oh, le pour... tilt qui fait kill. Tu sais que les deux seuls moves qui peuvent kill avec Olimar, pas de Pikmin. C'est for tilt. C'est for tilt et dans tilt. Ouais, nerf, ça doit être long, ça kill. Comme je te dis, ça va être long en plus parce qu'il faut que tu te rappelles qu'avec pas de. Faut que tu te rappelles qu'avec pas de Pikmin, ils sont habillés, il est fort là. Non! Ouais, il est meilleur. Puis la seule manière que tu peux faire pour Edgeguard, c'est nerf. J'imagine que j'aurais pas besoin de coller les grabs, hein? Non. j'aurais pas besoin de coller les grabs sur le stream, ça je peux te confirmer. J'imagine en Evo Grand Final. Ouais. Puis ils mettent ça. C'est-tu meilleur que genre Bayo dans Smash 4? Tu sais, des fois sur le stream, quand je commande, je me dis, j'aurais dû commenter plus le match. Ou des fois, j'aurais dit des niaiseries. Ça, c'est clairement l'opportunité pour moi de dire des niaiseries. Je pense que c'est le temps de raconter comment était ta semaine. Pas super, hein? À date, c'est pas super. Pas super. J'ai su. Ben, c'est pour ça que tu disais que tu étais fatigué. Dans le fond, tu travailles chez Rona, j'ai bien compris. Ouais, je travaille chez Rona. Des électros. Là, vous avez très fatigué. J'ai traité des électros 8 heures, puis j'étais brûlé. J'ai fait, ok, ça fait 11 ans que je travaille chez le même marchand à vendre des électros pendant 8 heures par jour. Ça veut dire que ça fait 11 ans que je suis brûlé. Je comprends. Non, mais je venais de me taper un 9 chiffres de ligne. Ouais, non, je veux dire, quand t'es pas des électros, puis tu commences, c'est compliqué. Mais c'est pas compliqué, c'est genre. Non, mais c'était que c'est parce que je me suis mangé, genre, beaucoup de. Oh my god. De plein, genre. Ben ouais, ben je me suis mangé tous les clients que mon collègue avait mal fait. C'est chiant ça. Genre, il n'y avait pas de suivi, fait que là, ils sont tous fâchés. Ouais, avec raison. Fait là, ils viennent le mardi, ils sont comme, hey, là. C'est pas moi le responsable. Parce que c'est pas moi qui les a fait, je peux pas faire les armoires. Ouais. Puis, non, mais après ton 9e shift de suite, là, t'es. Ouais. J'ai essayé de trouver quelque chose à commenter là, mais. Léo, en principe, c'est pas un no Pikmin run. Parce qu'il fait son B, il y a les Wing Pikmin qui l'aident. Yeah, il devrait pas faire un B. Exactement. Je pense que j'allais le dire mid-set. Ouais, le plaisir de service à la clientèle. Sales, exact. T'as pas besoin de vivre ça. Mais moi, je le vis en principe, là, mais. Non, ma nouvelle, c'est que le match va être plus vite. j'ai réussi à le dire que tu as B parce qu'il y a des Pikmin qui les lèvent. Hein. Et ouais, c'est plaisir. Mais vois-tu, comme ça, c'est la clientèle, l'important, c'est d'aller voir les gens et lui faire. Genre, changer leurs opinions, c'est ça que je viens de faire. C'est l'expérience, c'est mon match-up knowledge de faire le match. C'est ton match-up knowledge avec les gens. Exactement. T'as plus 2 dans le match. Exactement. Sinon, comment ça va, chat? Tu passes une bonne fin de semaine? Fuck it, mais non, mets ça là. Ouais, non, mais laisse-le dehors. Ouais, si vous voulez que je suive le match, je vous checkerai en bas. Fait que, comment ça va, chat? Tu passes une bonne fin de semaine? C'est Losers Quarter Final. C'est Losers Quarter Final, puis on a No Pikmin, Olimar Dito. Pour
En background. On est des Twitch streamers dans le temps de 2014. Ouais. Que nos assets sont ici. Mais le reste, puis le gameplay est en bas. Là. Michon, tu sais où que je vais changer la catégorie du stream pour Just Chatting? Ouais. Parce que là, il y a la catégorie. On a mis ça sur nous autres. Je veux dire, il y a un match de Olimar qui font rien. Là. C'est Olimar, pas de Pikmin. Regarde, c'est boring as fuck. On met ça sur nous autres. Je me dis, t'inquiète là, on pourrait changer la catégorie pour Just Chatting. On devrait rajouter en dessous de Loser's Quarterfinal. On devrait mettre une petite caméra de moi pis toi qui parle en dessous. Tu sais. En fin de semaine de direct sur mes heures, j'ai acheté Mr. PG pour des jeux rétro, alors j'ai vraiment gagné de l'argent. T'as vraiment acheté beaucoup d'argent? Moi, en fin de semaine, c'est simple, j'ai acheté. Là, écoute le mix bizarre. J'ai acheté Soul Hacker 2 sur Xbox. Probablement, je suis la seule personne qui a souvent acheté ce jeu-là sur Xbox. C'est un jeu d'Atlas, c'est un JRPG d'Atlas. Ah, ça, je suis pas surpris. Puis, il est sorti ça, mais tu sais, c'est genre sur Xbox, c'est vraiment bizarre d'un jeu d'Atlas sur Xbox. Puis j'ai acheté Soul Hacker, un JRPG, puis j'ai acheté... Luchi, time le out! Puis j'ai acheté F1 Manager. Fais juste le time out! Qui c'est qui a un cart avec Soul Hacker puis F1 Manager? C'est ça mon week-end. Oh! Let's go! Est-ce qu'il y a rien? C'est Luchi, ok. C'est live Genshin, cool. J'ai même joué à Genshin, là. J'ai peur d'être accro. Non, mais c'est, y a quelqu'un qui cherche des tips avec Genshin, là. C'est, la seule qui joue ici, c'est... Edwin? C'est Saint-Gelin. Saint-Gelin, ok. Vincent, il a joué, ma base, il a joué. Mais les deux, ils ont lâché. Il y a des waifus partout, alors c'est pas pire. Exact. Il y a tellement de waifus dans Genshin, mais le monde sont comme, yo, les sont tellement hot, pis genre, sont tellement musclés, pis le gars, c'est genre un bonhomme allumette. C'est genre un bonhomme allumette, tu sais. Yo, il est tellement thick, pis c'est un bonhomme allumette, genre. En parlant de waifu, on sait déjà que ça va sur Power Metro. Ah, oh, shit! Et Luchi qui Wow, on peut commenter! Ouais. Et Luchi qui s'en va sur Rob en parlant de waifu aussi. Ouais, c'est la best waifu. Exact, Rob, best waifu. Il y a beaucoup de monde qui trouve que c'est la best waifu. Exactement. Elle est tellement populaire, elle gagne le plus de tournois. Mais on rappelle que Rob, il a aussi le knowledge des véhicules avec Mario Kart DS. Aussi, ouais. Puis lui, il a l'avantage d'être dans plus de crossover. Mommy, sorry. OK. Fait qu'on est prêts, maintenant, pour compter un vrai match. Ouais, beau d'entrée dans le B. Luchich qui, c'est drôle, hein, il vient de commencer le 7 puis il gagne 1-0 déjà. Ouais, je pense que j'ai perdu 50 ans de ma vie. Genre, mon niveau d'énergie a vraiment baissé. Je pense que, tu sais, je dis à soir, je faisais une commentate, mais Olimar du taux, pas de Pikmin, ça va me pousser à mon maximum, genre. What the fuck, le front du match est trade avec side B, mais il a passé en dessous, puis il a quand même battu. Exact. C'est pas mal even, faut juste qu'un kill confirm. Avec sword, on ne saute pas. Elle va être le back air, back. Ah, essayer d'aller pour catcher le landing. Pour tilt down B. Oh, essayer d'aller pour down air. Ou un autre down air. Oh, dash attack! On passe dash attack de la porte. Direct en dessous du nerf pour pogner le premier stock sur cette Saint-Gela. Il y a un désavantage au début du match, mais là, il vient de récupérer un peu plus. Down air. Ouais. Metro qui fait des Metro shit, là. Elle fait un combo game à Pikachu, mais elle a le range de. Tellement dangereux en ce moment si t'es Saint-Gela. Tu veux vraiment garder ce stock-là? Down air. Beau mix-up du record. Oh my god! Beau gyro. Qui va avec le punish. Pas aucun punish, on a juste jump par-dessus. All the bullshit. Hein. Oh là 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 là. Ouf! Hey, voilà, le beau read sur le follow-up d'essayer d'être. C'est-tu Force Smash ou Force Tilt, ça? Ça, c'est Force Smash. Ça, je me dis. Force Tilt, c'est juste le coup en avant. Ah, c'est vrai. On dirait qu'il sort vite, je suis surpris que c'est son Force Smash. C'est un pas pire Force Smash, hein. Il y a des combos dans son Force Smash. C'est pas le Force Smash le plus vite du jeu, mais c'est quand même vite. Force Smash le plus vite du jeu, c'est pas que Steve avec Gold Spoon. C'est Samus. Samus? Ouais. Tu prévois quoi? Comment je vais checker ça? C'est ton character, man, t'es supposé le savoir! Mais je l'utilise pas tant que ça parce qu'il y a quand même une top à pogner le bon spot. Hein. Ouais, avec c'est RNG, dépendamment. Oh, voilà. Mais tu sais, Samus. C'est basé sur le charge. Il sort vite sur Force Smash, mais tu sais, il kill pas énormément. Puis il y a quand même beaucoup de recovery après. Fait que tu sais, oui, il sort vite, mais c'est pas genre le meilleur. C'est pas à cause qu'il sort vite que c'est le meilleur Force Smash du jeu, ça, je veux dire. C'est un jeu-là qui reste beaucoup avec Pyro. Frame 10. Frame 10. Ben d'abord, c'est pas Mario, vu que c'est Frame 6. Hum? Mario, c'est quoi, c'est Frame 10? Mario, ça va être plus que ça. J'ai rappelé un quiz, puis c'est Samus qui avait plus vite.
Back in. Oh, bon air. Ça va être quel va être le let trap de la part de Lucci. Back air, back air. Très beau clean gameplay de la part de ce jeu-là. Il se fait vraiment pas toucher par les gros combos starters de Lucci. Up air. Oh, back air, back air. Up there. Les side B, là, Saint-Gela, qui marche étonnamment beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment. D'habitude, il se fait beaucoup pogner, je pense, pour ça. Oh, essayer d'aller pour le... Le Ender. Il drop le chier un petit peu trop. Mario Frank Kings. Kings. Ah, ben c'est ça, mais ça. Oh, le downer up smash. Et voilà. Hey, Saint-Gela, un gamer. Exact. Ok, gamer, dans... ok, pour lui. C'est ce gamer, genre pour ah, tout gamer. Ça. Ah, gamer. Ok, c'est gamer. Gamer. C'est gamer, mais tu sais, c'est quand même un à un, hein, c'est. Lucci, ouais, ils ont c'est joué bizarre, ils ont joué off stream. Lucci a gagné une game, ouais. C'est bizarre. Exact. Il a tellement la confiance qu'il dit shutdown le premier match, même si on va jouer. Il était comme, ah, je la win celle-là. T'sais. Là, on va probablement avoir un switch à DDD. J'imagine. Sur DDD, il avait beaucoup plus performé. Et voilà. On va voir là, à quel point Saint-Gela est habitué de se faire cheat. Je veux dire, il était habitué de se faire être punish quand il est offstage parce que. Power Metro, mais. Ah, ça c'est clair, mais est-ce qu'il va se faire tout le temps tout frame par le dash attack? Mais c'est ça, j'essaie de dire, comment dash attack pendant le match? Là, la question. Là, on essaie souvent de lancer quelques Gordo. To frame or not to frame? That is the question. T'as pas besoin d'être vraiment to frame, eux autres, parce que c'est surtout. Didi, t'as vraiment besoin de situer comme le sinon, tu pognes pas le bon hitbox? Ou sinon, t'es juste pas grave de toucher. Ah oui, ok. Ça reach en dessous, mais faut que tu to frame. Et on voilà. Voit pair. Essaye de pas d'aller pour le drag down à pair stuff. Juste qu'il fait vraiment ce tour. Fait le full. Faut du tour, non. Quel va être le... Ah, ça peut être... What the fuck was this trade? Un très mauvais trade, c'était Lucci en ce moment. Dentro, up, forward air. Le check, c'est la meilleure imitation du DG des Maple Leafs de Toronto qui a échangé le premier choix. Passe le premier au deuxième. Exact, ben... mauvais, même pas besoin. Il savait, il avait la peur. Lucci, c'est ça, Lucci, il avait... Un peu comme toi qui reste du yacht tantôt. Yeah. Tu sais, venez, Action Rob était super offstage, pis tu sais comme... Oh, ouais, hey, c'est safe! C'est safe! Tu peux pas le punish! Fort Smash, si tu fais le Gordo, il est safe. Mais en plus, c'est du shield pressure, c'est du gros shield pressure. Là. Je suis surpris qu'on n'a pas vu le B reverse up B sur le, pour continuer le combo contre Lucci. On va avoir vraiment le full combo, le full damage contre le contre Diggy. On va voir le Pyra qui retourne. Ben, le Gordo est juste continué vers l'extérieur. Down air pour essayer de punish. On shield toute l'attaque, belle patience. Ah, ça là, c'est un joueur qui joue à Wii Sports au tennis. Oh, encore un autre mauvais. Il faillit se faire encore trade en, comme la première stock avec le down air. Quel va être là? Il se faut inhale la sword. Ah, il est passé. Il faut inhale au début. Ouais, ça, quand elle lance, tu inhale. S'il tourne dans les airs comme ça, tu peux pas l'inhale. Ah, je pense que c'est encore un autre inhale. Et beau dans le tilt de la part de Lucci. Vraiment, c'est vraiment le seul hors de shield que t'as. Bon, essaye d'aller pour le. Là, on a un pourcentage de near kill. Je sais pas comment on switch pour. On retourne Pyra. Encore à Mitra. Ouais, mais c'est sûr que c'est excellent quand t'es sous stage. Le problème avec Mitra en ce moment, c'est que. Back je sais pas, je savais pas si ça avait des combos qui va kill. Là, ça pourrait prendre un hit pur. Là. Quoi que Pyro aussi. Là, là. Dans qui est quand même safe. Oh, voilà. Et voilà, le two frame qu'on attendait. Qui fait arriver. Ouais, mais. Lucci qui vit vraiment longtemps. Ouais. Voilà. 4% du côté du Saint-Gela. On est prêt pour le dernier stock entre les deux joueurs. C'est 7-7 qui est 1 à 1. Moi, celui qui prend cette game va vraiment probablement gagner le set. C'est une game qui est vraiment primordiale. Parce que là, il va sortir avec le plus de momentum. Les deux. Non, ce Saint-Gela, c'est vraiment un joueur à momentum. Lucci, il faut qu'elle prenne, et dans le fond, c'est juste une nail quand elle lance. Quand il tourne l'épée, c'est... Exactement. Un autre up there, 69% sur Mitra. Ok, mais beaucoup... Non, je continuerai pas se passer. Je pense que vous savez le reste de la phrase. Non, je continuerai pas se balancer. On est PG, ça. Ouais. PG. Oh. Smash un jeu for good boys and good girls. Oh, un autre dans air, un autre two frame. Deux sérieusement, fois. Le hit, il dure combien de temps? Il est vraiment long. Il est long, mais Saint-Gela, il a bien trop tôt. Fait que tu fais tout le temps pogner par ouais, le dash attack. Ouais, mais il dure. Ouais. Mais ouais, faudrait qu'il attende un peu plus longtemps, mais même là, il n'y a pas de temps de temps que ça.
On va attendre RDG qui est Thirsty Boy, hein. Je vais voir le frame d'attaque King DDD, là. Je suis intrigué de savoir ça dure combien de temps le Active Hitbox là-dessus. Ah, celle qui vient d'aller voir, je vais checker mon côté, dans le fond. Dash attack. Active on frame 26 ou 41. Fait que c'est actif une quinzaine de frames. Ça ne sert pas à grand chose, ça, en fond. C'est triste. Je sais même pas on est combien parce que. Ah, ben je vais aller checker ça. Je vais checker sur mon phone. Hein. On est 8. La chaîne est rendue pas dans le coin de 5 spectateurs quand c'est plus bas. Puis là, il y a beaucoup de monde. Exactement, ils viennent tous voir le Upset City de ce soir. Hein. Ouf, on passe bien par-dessus Gordo là-dessus, Nair. On passe bien en dessous pour Redash Attack, mais ça n'a pas réussi à pogner. Un autre opteur de la part de Smoochy. Oh! Up B encore. Déjà, je me rends compte que Nair qui est safe. Far too. Déjà, je me rends compte que mauvais roll de la part de Saint-Jean là, c'est tellement dangereux, il n'y a plus de jump. Pour ton edge, on manque le punish. Un autre jump encore, plus de jump. C'est pas le move, Oh, un SD, singe là. Ça qui se tape la tête. Vraiment pas content. Je sais pas si vraiment il y avait plus de jump. Hein. Il aurait dû garder dans ce cas-là mid prop et faire son side B. Il aurait probablement été mort, mais je veux dire, c'est mieux ça que de jouer. Que son DDD, il work. Il put in the work en soir. Beau landing avec le Gordo. Oh, on passe bien là-dessus. Belle attaque de singe là, de juste passer en dessous et de. Ford Air. Les deux se battent un peu pour le center stage, on trade un peu. Ouais, Gordo qui sort, Mazan, il prend Gordo d'en face. Up B qui est. Ben, il est safe. Tu l'utilises comme du monde, tu l'utilises pas comme du monde, il est pas safe. Neutral B. C'est rare comme un Neutral B, c'est vraiment si j'aurais peut-être Listen Put. Je sais qu'il utilise des fois quand il est dans les airs pour genre switch son momentum aérien. C'est vrai, c'est vraiment un bon bait, c'est quand même vraiment bon comme grab. Inhale, ça permet vraiment de pousser ton avantage. Non, mais pas passer tes trucs de monde. Je parlais d'une trophy de Pyra. Ah. Je sais que t'es dans les airs, tu l'utilises, ça switch son momentum. Là. Ouais, ben une trophy Pyra, c'est vraiment plus du cheese. Ouais, c'est ça. Parce qu'à part pour le ledge guard, c'est vraiment... Oh! Non, c'est le calos. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est quand même un beau read là-dessus de voir qu'elle a attaqué Hubby. Ouais. Ouais, tu vois? Allez, oh, le punish, pas l'up smash! Il y avait le read sur le dodge. Pas l'up smash. Heureusement non, fait que là, cette fois-ci, c'est un jeu-là qui a l'avantage. Hein. Up air, ça... Goal encore. Là, il se fait catch et roll. Un petit peu trop catch. Un autre up smash. Je me rends compte que Metro, c'est comme chic, mais bon. Non, c'était genre up tilt. Ben, je pense qu'il y avait une bonne comparaison. Oh non! Il a tellement voulu punish oh, CSD. Oh mon dieu! Est-ce qu'on va voir un singe de choke? On s'entend à singe là, vraiment dominer toute la game. Game 2, game 3, game 4. La game 4 en ce moment, c'est surtout qu'il est SD. Il va faire side B. Ah, un autre side B encore. Pour cover là. Oh, le. Oh my god! Et voilà, ça coverait toutes les options. Si elle roll out, je sais pas. Ça aurait cover, ça aurait pogné comme un. Moi, je sais que ça aurait pogné. Oh, mais c'est-tu mort du sweet spot? C'est-tu mort du sweet spot? Ben oui. Ah, c'est sour spot, la mauvaise excuse. Mais il y a pas vraiment de sour spot, je pense. C'est juste tout le temps fucking strong. Mais c'est juste vraiment fait checkmate. Maintenant que j'ai le site du frame d'état du vent, je vais checker pour le fun. No choke, game 5. Exactement. Imagine-toi si c'était un jeu de père parce qu'il a joué un match en Olimar Pikmin. Oh là, un force match! J'y arrive! Là, tu confirmes qu'il n'y a pas de sour spot. c'est rien qu'un sweet spot, c'est tout le move. C'est après Olimar. Alright, game 5, DVD encore. Pyre Metra, on s'en va sur, je pense, c'était Hollow Bastion. Ça ferait du sens. Et... Oui, non! Smash, je l'ai acheté pas. On est proche. Tout le monde sait que Kingdom Hearts et Animal Crossing, c'est pratiquement le même jeu. C'est pas le même match. Non, c'est pas le même match. Non, je sais. Hollow Bastion est pas le même. T'as plus dit que c'est le même jeu.
Quoi que Disney vont avoir bientôt le Animal Crossing. Fait que... What? Ouais, il y a un jeu de Disney. Dans le fond, ton but, c'est de construire le village. C'est un free-to-play, dans le fond. Puis, ça ressemble à Animal Crossing, mais avec Disney. C'est Animal Crossing, mais mobile. Non, c'est pas mobile. Ça sort sur console et sur mobile. Ah ouais. Les jeux vont être sur Game Pass, man. Disney Magic something. Ça, je dis. Finalement, ils get là, ce qu'ils voulaient. Oh, un autre Fort Smash. Comment ça pognait vraiment les gros? Oh là 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 là. Disney. Welcome back here. Optra. Disney Dreamlight Valley. T'en es? On jump par-dessus, back air. Oh, un autre dash attack. Back throw. Back throw. Quel va être le ledge trap? Il était bien voulu anticiper le dash attack qui s'est fait avoir, malheureusement. Oh, le gros mash et parce qu'il y a gros mash. Ouais, il a trop été vers le stage, fait que back air punish. La première stop. C'est quand même vraiment huge. Fait que la bonne nouvelle pour Luchi, c'est qu'il peut. Il dit t'as beaucoup d'outils défensifs. Fait que là, il faut juste qu'il punish. Les Gaden de Saint-Gela. Nair, c'est safe, mais il n'a pas tenu son shield autant longtemps qu'il aurait dû. Oh! C'est dangereux, c'était Gucci en ce moment. Grab? Non. Tu veux vraiment garder ce stock-là le plus longtemps? 0%. 12, finalement. Un autre dans tilt. Ah! Nail, non. Il pensait qu'il s'est lancé son sword. Hein. Tu vois qu'il bait son side B, dont je me rappelle plus du nom. Un autre affaire. Très 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 Ivan, les deux à dernier stock. Les deux à deux stocks. C'est Burning Sword? Non, oui, continue. B, back air. Ouh! Fort air, side tilt. Note, là t'es dans la position que des Libis, ça c'est pas très bon. Blazing End, parfait. Il se fait tout le temps hit. Français. Par le désavantage de Mitch. C'est un jeu-là qui joue beaucoup avec le Gordo, tu sais, exemple, c'est Uchi qui va y avoir une situation qui va se rendre safe. Non, il est encore safe. Pour Lightning Buster. Dash Down Air. Oh, c'est là pour le read encore, mais un petit peu trop quick avec le grab. Air. Sidey qui essaie de se catcher. Je pensais qu'elle allait se faire renvoyer encore. Nair, très dur pour Uchi blender. Ben, c'est sûr que King DD, il y a beaucoup d'attaques. Il y a pas beaucoup d'attaques vraiment en angle vers le bas qui peut être safe. Un autre assist. Bonne punish de la part de Saint-Gela. Luchi s'était tellement mis en désavantage sur l'edge en plus. Hein. Oh, tilt. Non, ouais. Tilt. Oh, tu veux pas être Saint-Gela en ce moment? Dodge, il n'a pas été punish. Luchi, il n'a pas fait beaucoup de pression. Ouf, on est nial. Oh, voilà. What? Ouais, mais je pense qu'un inhale ça fait plus de knockback. Non, mais je pense que c'est surtout le DI. Ouais, le DI il va être mauvais aussi, honnêtement. Alright, down throw, back air. Là, quand t'as pas pourcentage, comme oh, tu dis. Oh, on read le. On sage to sage. Oh, Saint Gela, il ressent vraiment la pression en ce moment. 88%. Il faut qu'il pogne la stock direct, là. Je pense pas qu'il va aller fond dedans. Ouais, je pense pas qu'il va être capable de. Quel ledge! Ouais, ça fait mal ça, 88%. Last stock. Last game. Dans le dash attack. T'as-tu trouvé de son dash attack? Un autre up smash. Un petit peu trop anxieux. Vas-tu voir un switch à Mitchell, apparemment? Normalement, il va garder genre. Back air, toujours en vie. Il va garder Didi jusqu'à genre 50% pour faire les easy combo, puis il va genre switch après. Un autre back air. Ouh! Un autre up smash. Et un voilà, flash. Et voilà. Prêt à tête. Luchi qui gagne 3-2 contre Saint-Gela n'est pas content. J'aime bien le fait que c'est deux matchs qui gagnent. On rappelle que Luchi a gagné deux matchs. Saint-Gela aussi deux matchs. Mais il a gagné pareil. Il a gagné la limard de toi. Brother J. Raggy. GG, bonne chance.